Salut, bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir, une fois de plus, ce matin, de recevoir Julia Fernandez. Julia va nous parler de son expérience en France. Alors, j'espère qu'elle a eu de bons moments et elle va nous partager son expérience. Salut Julia, tu vas bien? Salut Vito, je vais très bien et merci pour l'invitation. Bien, bonjour à tous, je suis Julia, j'ai 19 ans et aujourd'hui je viens parler de mon expérience en France. Alors, je suis allée en France en septembre de 2021 et je suis restée là pour 9 mois. J'ai habité à Lille, plus précisément à Roubaix, une petite province de Lille. Pendant mon temps en France, j'ai voyagé à Milan 2 fois, à Berlin 1 fois et à Paris beaucoup de fois. Et pour moi, les voyages sont la meilleure partie de la vie à l'étranger. De plus, j'ai connu beaucoup de bonnes personnes pendant mon temps en France. Dans mon cours à l'EDEC Business School, il y a des gens de toutes les places du monde, donc tous ont de familles et cultures différentes, et je pense que c'est vraiment intéressant et cool. En outre, j'aime le foot aussi, donc quand je suis arrivée en France, je suis entrée dans l'équipe de foot de l'université et j'ai beaucoup profité parce que j'ai gagné des amis et on allait au Centre National de Foot à Clairefontaine et là c'est magnifique. Par contre, il y a une autre partie de la vie à l'étranger. Je trouve que la vie loin de tout ce que je connais, toute ma famille et amis est très difficile. Le froid est terrible aussi et le Brésil me manquait tout le temps. En plus, la vie seule est compliquée parce que cuisiner et faire le ménage tout le temps est très fatigant. Je pense que c'est difficile de faire des amis, spécialement quand on ne parle pas la même langue. Donc mes amis au Brésil me manquent tout le temps quand j'étais en France. À la fin, j'ai beaucoup profité de la vie en France. J'ai voyagé beaucoup, j'ai fini l'année scolaire avec des bonnes notes et j'ai fait des amis qui sont très spéciaux pour moi. À la fin, vous levez et faites de votre mieux dans ce que vous aimez. Et c'est ça. Alors, merci beaucoup de m'avoir prêté votre attention et voilà, Vito. Wow, très intéressant. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup. Une expérience très, très intéressante. Alors, mesdames, messieurs, nous avons reçu Julia. Julia nous a parlé de cette expérience. J'espère que dans les jours qui viennent, alors on va la recevoir pour qu'elle puisse nous parler d'autres sujets très intéressants. Alors, quant à moi, je vous retrouve déjà prochainement avec une autre personne. En fait, ça sera aussi un sujet différent. Merci beaucoup et à la prochaine.